Donc, bah, premier film, Nzondingo, Belvia Joua. C'est moi, je te dis. Monsieur Montel, et le match, je vais filmer. Je ne vais pas en garde. Il a besoin de $500. Et l'ombe? Et l'ombe, $500. Oh! Dans les cocotiers. Il était le seul acteur, aujourd'hui, à 50 bons rebelles. Belvia Joua, bah, Deminide, bah, Delondrin, bah, Maman Linga, bah, tout le monde, bah, Maman. Donc, tu as eu aussi le temps, une fois, à gérer aussi l'ombe dans le film. Hein? Mais il a joué Péché Montel. Péché Montel. Moi, c'est Naïe Via. Moi, je suis Flore. Il y a un groupe sans souci. Sila a préparé Zénith. Sila Bissal. A préparé Zénith. Donc, nous devons l'accompagner dans la Zénith. Et c'est la grave. Sila, c'était SB, c'était une maison de production. De production. À cause de Sila, il y a un bordeaux de Paris, Poso, Nain, tout ça. Elle va sélectionner. Elle va sélectionner. Alors, tout ça, dans un spectacle qui va mener dans la Zénith. Mais d'être dans la fixité, je vais vous dire au moment opportun. Donc, si là, bon, la cabane comédien, bon, la cabane monsieur qui est la cabane, mais là, c'est une comédienne, à ma groupe, moi, bah, il va jouer. Ça sera une première, hein? Première fois aussi, là, comme on a ça, là, dans le salon entier. Donc, cette femme-là, elle a don, elle a ma pièce, elle a un jalousie, ma pièce. Donc, toute malédiction contre elle, elle a sans effet parce que ma belle auto vendi, elle va attaquer. Si elle a mon attaqué, ce que je vais dire, c'est qu'on est au oh, si la zamouteke. La zamouteke, mouton ma belle là. Bateke ou mouton. Attends, nous avons Jérémy, son mouton ma belle là. Si la mouton ne va pas au téléma, tu es sur la malédiction parce que, à la ouin, à sa. Mais ben, yo garçon, yo dis. C'est irrespectueux, irresponsable de sa part. Il n'a pas le droit de m'appeler garçon. Sauf par exemple, Ajnaïn, Ajnaï, Baika et Zamigité. Nous sommes des amis avec lui. D'une même génération. Nous sommes de la même génération. Maintenant, sauf bien dans le monde du théâtre. Dans le monde du théâtre, papa n'a pas né à l'Obarwana, mais moi j'aurais commencé avant lui. D'ailleurs, avant lui. Bien sûr que oui. Mais c'est moi, il a eu la chance à l'époque. Il y a quoi dans Goubi Salon, parce que Goubi Salon à l'époque avait besoin d'un garçon, un gars qui parlait français. Un jeune garçon qui parlait français. Il a eu cette chance-là. Mais nous sommes de la preuve, de la même génération. Il ne peut pas se permettre ça. C'est ce monsieur-là de m'appeler garçon. C'est manque de respect. Un manque de respect. Manque de respect. Manque d'estime à mon égard. Donc je ne t'aurai pas ça. Et moi aussi, je l'appelle garçon. Parce qu'il a des gens qui se nourrissent, il y a pas confiance entre belle vie dans ce là. Si, si. Il n'y a pas exilé, non. Mais j'ai craint fort, craint dans les années. Les saisons sont toujours périodiques. Les saisons, ils ont toujours la saison, ils ont toujours un temps. Aujourd'hui, si la belle vie, il y a la concurrente. Bah, la concurrente. Bah, ça t'est. Dis-moi aujourd'hui, c'est pour la première fois dans l'histoire, il y a être que, bah, si je vais télé, mais pendant autant d'années, bah, si je vais être moins, puis de 10 ans, 15 ans, je vais avoir une concurrence, ça t'est. Dis Nana qui pouvait prendre le courage à percer Bango, à conquitter. Dis Nana. Azobanga. 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 Elvie n'est pas du tout l'enfant artistique qui avait. Non, à Boté Wapi, dans Moulanine. A formé Bellevue Wapi. Bellevue est devenue Bellevue et Bellevue. Bellevue et Bellevue avant Zalapé. Bellevue. Bien sûr, d'abord et de part, il est le témoin. Ma fille, elle est bossée à ma casa, c'est chez moi. Monsieur Montel, c'est pas. Bête Alibala. Voilà, grand merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs. Vous nous captez sur Équilibre Télévision, que Dieu vous bénisse. Jérémy Luemba, les renards du désert, est en face de vous. Je reçois pour vous l'artiste comédien Mbondo de Paris. Actuellement, il est analyste par rapport à plusieurs sujets. Concernant la culture, les théâtres et consorts, Mbono de Paris, bonjour. Oui, bonjour Jérémy Mbekitoko. Merci pour l'intelligence. Et j'aurais souhaité à ce que peut-être prochainement tu fasses une émission politique. j'ai apprécié, oui, écoutez, j'ai apprécié votre introduction, c'est bien. Et je suis là, merci pour l'invitation, je suis là pour répondre à ma question. Merci beaucoup, Kouloutou. Je crois que santé, ça va. Oui, ça va, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Je me protège parce que ça fait plus de 3 mois que je ne tournais tout à l'heure, je ne tournais pas les émissions parce que j'étais trop focalisé dans le projet de la fondation You La Colombe. You La Colombe. You La Colombe, c'est-à-dire que c'était une fondation où nous avons créé un centre médical. D'ailleurs, vous les chroniqueurs, tout le Sénat a un partenariat comme oui. Les comédiens. Vous avez un droit à la vacance à un moment d'hésiter. Et à partir de Mitotuana, vous avez souhaité peut-être. Moyennant, plus abordable. Donc nous serons là pour travailler avec vous. Voilà, merci pour la nouvelle. Mbondo de Paris,
l'opposant de tous les dirigeants du théâtre congolais. Mais ça dévoile ces casquettes-là. Non, je ne suis pas un opposant. Je suis seulement un révolutionnaire. J'aime bien la révolution du bon sens. C'est-à-dire que bateau, c'est la Makambo, Yosaki, Toroté. On est là, il faut prendre du courage. Vous savez, Lumumba a dénoncé les mâles, il y a Mdélé, il avait quel âge? Et c'est moi qui m'bango. C'est que nous, bon, Abis Soudanini et Jérémy, nous ne sommes pas découragés. Nous avons peur de mourir. Nous avons peur de la prison. Non. Moi, j'ai déjà fait la prison sous le régime de Mobutu. J'ai fait les cachots sous le régime de Kabila. Donc, j'ai été torturé à plusieurs fois comme étudiant. J'ai passé par la marche Nyonson. J'aime bien la révolution du bon sens. Déjà, je suis dans le sens, je suis tisserédiste. Tu vois, je suis tisserédiste. Donc, il y a un problème qui a raté que nous avons contre Batou, contre ma Mikoloté. Nous avons tout dans la ligne de conduite. Parce que ces gens-là, ils ont créé un mythe comme quoi, on va toucher Bangote. Ils devaient être là. Alors, chez moi, là, ça ne passe pas. Oui. Donc, tu n'es pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite, moi, là. Je suis un homme véridique. Déjà, à 84, je vais te dire une chose. À 84, lors de la sortie à IDPS, j'étais là. J'étais trop jeune. Bah meeting nous soit il y a des pèses à l'époque, j'étais là. Bah ville morte, tout j'ai participé moi là. Bah meeting, bah la Liboso, oh Mosaïque, qui a marché Liboso, j'étais là. Comme étudiant. On se rend bien. Bah Betabiso à ce moment, c'était dans la garde civile. Non, moi j'avais décidé de semaine, bah Beta j'étais torturé à la mort. OK. Comme je suis en politique avec Mokia, j'ai fait la prison. Donc, Ngaï, ils ont été dans la contre battue. Sur l'esprit, on est politique, on est combien on est théâtre. Non, déjà au départ, vous savez que Ngalfa était là, le collègue n'est pas bon, mais il n'y a pas Ngalfa dans le collègue. Parce que je me disais que non, on ne pouvait pas continuer à être exploité de la manière où on n'avait même pas droit à la parole, où on a produit théâtre, où ça va émission, où on a dit, moi, ça va être révolté là. Alors, j'avais préféré, comme un bon citoyen, je suis là. Alors, ça, c'est très bien. C'est vrai, le président Elombe Soukari n'a pas l'habitude de parler trop à la télévision. Mais à ça, l'émission Moko récemment, Yves Pan, que je salue en passant, il vous a qualifié d'un jeune homme, peut-être langage naïe, au moni yango comment. Et puis, qu'est-ce que vous reprochez na Elombe? Guerre na yona eza guerre moro sans fin. C'est quoi le problème? C'est quoi ce que vous reprochez à ces messieurs? Voilà, je n'ai pas son éducation pour appeler garçon. Moi déjà au départ, même aux hommes qui n'a bien grand monsieur, n'a bien grand madame. Mais ben yo garçon, yo dire c'est irrespectueux, irresponsable de sa part. Il n'a pas le droit de m'appeler garçon. Ça sauter par exemple Ajnaïne, Ajnangai, ben ka eza migité. Nous sommes des amis avec lui. D'une même génération. Nous sommes de la même génération. Peut-être que dans le monde du théâtre, par rapport à l'année à la Barwana, peut-être que moi j'aurais commencé avant lui. D'ailleurs, avant Elombe. Bien sûr que oui. Mais c'est vrai, il a eu la chance à l'époque. Il y a quoi dans Goubi Salon? Parce que Goubi Salon à l'époque avait besoin d'un garçon, un gars qui parlait français. Un jeune garçon qui parlait français. Il a eu cette chance-là. Il était bien accompagné. Il y avait Bali Mondial d'Araki, Inga, Chaba, Bali Pati, Kaba Masasi. Il a eu cette chance-là, Yakobima. Ok, moi j'étais à côté en Alphana Lokouli, et ils m'ont formé aussi, j'étais là. Mais à un seul moment, ils ont la liberté. D'abord, la chance qu'ils avaient, parce qu'ils ont passé dans la NTNC, la chaîne nationale. Ils ont passé dans TKM. Donc, sur le plan, il y a chance, ils ont mon côté. Mais nous sommes de la presse de la même génération. Il ne peut pas se permettre ça. C'est ce monsieur-là de m'appeler garçon. C'est manque de respect. Un manque de respect, mon égard. Donc, je ne t'aurai pas ça. Et moi aussi, je l'appelle garçon. Donc, voilà ce que j'ai reproché à ces garçons-là. Il prétend être conseiller juridique. Il y a groupe, c'est des soins de maçons. Un TPC, c'est quoi comme ça. Je me pose la question, il était juriste. Il était à l'époque secrétaire général. N'est-ce pas? Quels sont. Parce que nous avons pensé à l'époque de créer le Rwanda pour qu'ils aient un syndicat fort, pour nous défendre l'intérêt de ma comédien. Je me pose la question, Jérémy. Vous êtes connecté, c'est vous qui devez dénoncer Mahmoud Oranzoba. Allez-y, l'obatonga. Alors, je me pose la question. Est-ce que Massoumo devient sénateur à vie?
C'est un chef coutumier dans un village où il peut se permettre de tout faire, de tout dire. Si le boss de quel était le logo, il m'a soumis à ça toujours la place. Comme il est toujours président NTPC. Non, comme ils disent. Ngalfa qui est premier vice-président. Bordeaux, deuxième vice-président, premier vice-président, deuxième vice-président, je dis, tout ça. Le secrétaire général, c'est jeune. Oxygène. Oxygène. Comme ils disent depuis qu'ils sont là, Bila Bangouzani, il y a combien d'années? Oh. Est-ce que nous avançons ou nous reculons? Ou nous faisons de ces places? Même si c'est quand même, je ne vais pas répondre. Deuxième chose, ils ont créé ce qu'on appelle Fonds de solidarité aux comédiens, qui est régi par aucun texte juridique. Alors que lui, c'est des juristes. Qu'est-ce qu'il a dit de faire par rapport à tout ça? Il a trouvé 16 dans le monde, on sait comment, quel mécanisme, il a trouvé 16 dans le monde, il a trouvé tout ça. Donc, j'ai reproché beaucoup de choses dans Elombe par rapport à ça. Deuxième chose que je reproché à monsieur, moi, bon, complémentez-moi, à ces garçons-là, Elombe, le fait que la gestion, il y a conflit entre Sila, Belleville, également Exil. Je pense, je crois, je souhaite à ce que qu'il soit beaucoup plus juste. Soit à pour la monnaie, moi se sentir les étés, qui est dans la réalité, papa, les gens qui ont eu pour la boue, tout ça. Ça, je n'ai pas apprécié, Bati Douana. Ce qu'on a à propos, Elombe, vous avez comme l'impression qu'il est plus penchant vers Belleville. Non, il aime beaucoup Belleville. Non, c'est drôle parce que Belleville a moins en été. Je crains fort que les années où vous avez pasteur, vous avez dit que 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 vous avez dit. Si on peut, ça va. Même ceux qui moins, tu penses à ce que moi, je suis un Kabela, ce n'est pas une raison pour laquelle on a la preuve qu'il y a une haine viscérale, une jalousie meurtrière, même contre moi. Même la Bible dit ceci. Au moins, hériter moi, tes parents, il ne faut pas hériter vos enfants. Mon papa, ça, moi, maman, ou que ça, moi, passe dans mon thème matin. Et ça te pose à mon body, aux moins, alors, qui t'a dit que l'ombe lingara a silaté? Non, c'est pas ça que je dis. Je suis en train de constater que s'il est victime, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Tu avais suivi un jour, bah, Gomez, ils ont fini ainsi là. Qu'est-ce que l'ombe avait fait? Bah, ça a tout le monde fini ainsi là, bah, plusieurs fois. Je suis venu aussi, il a, pas plus longtemps, il a un groupe, il y a ma fille, il y a un groupe Simba. Bah, tenu, bah, propos contre Sila. Oui. Il a fait quoi? Pourquoi toi tu vas accepter ce que moi j'ai eu le bosso et la c'est celle qui a fait bah, sacrifice et belé pour Zalalo, à la victime à Nouana. Qu'est-ce qu'il me reprocherait à Sila exactement? Tout ça, ça fait très mal. Non, Belleville n'est pas du tout l'enfant artistique qui a Non, à Boté Wapi, dans Moulanine, à former Belleville Wapi. Belleville est devenue Belleville avant ça n'est pas Belleville. Bien sûr, d'abord au départ, il est la témoin. Ma fille elle est bossée à ma casa aujourd'hui, c'est chez moi. Mais chez Montel, c'est pas Beto Libala. Mouta Milanga y est Belleville et ça via. Na zoa na fille Milanga Beto Libala na tiaye. Na groupe César Congo, c'est moi qui étais metteur en scène, c'est moi qui étais président parce que le fondateur était en Europe. Tout souvent répété, c'est à dire qu'il devait en répéter na Mouta Mariano Kuna. Kassavoubou. On entend bien. Donc, il sait à quel moment comme moi on a eu. Donc, bah, premier film, Nzondingo Belvia joua. C'est moi, je te dis. Monsieur Montel. Et le match, je vais filmer. Non, il ne met pas dans la gagne. Il a passé $500. Et l'homme $500. Oh. Dans le cocotier. Il était le seul acteur, Oyo, à 5 ans, bon et belé. Belvia joua, bah, 2 minutes, bah, de Londres, bah, maman Linga, bah, tout le monde, bah, maman. Donc tu as eu aussi le temps une fois à gérer aussi Elombe dans le film. Hein. Mais il a joué Péché Montel. Péché Montel. Moi c'est naïe via. Moi na bango flor. Yango bisang souci. Mbote bande kozanga maman Mika mosungi ya population. Nya elibino promotion ya réduction ya 30% na ba produit na biso nyonso tout naturel pe cosmétique. Oui. Ya traitement naturel pe cosmétique. On a problème ya santé. Nous avons un problème de hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerfs sciatiques, estomac,
myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mboudi-mboudi, bandeko boya, ba solution ezali. Ba kisi ezali ebele, eza très efficace. Tobuki ba prix. Tobuki ba prix. Na 30%. Côté cosmétique, toza to ba produit na biso tel que Thémétis, oui. Toza na Thémétis, toza na crème de beauté Mika, ma foute ya kopakola, toza na savon, savon na biso gommant, o ezo traité. Eza contre ba tache, ba acné, ba bouton pe ba vergeture. Tozali na savon noir na biso, oui. Ezo traité, ezo tu à l'aise na douche, ezo protéger contre moi, eza très efficace. Tozali na crème de visage na biso, ezo embellir et longue, ezo rendre longue lisse et très propre, très agréable. Tozali na huile d'ananas, solution ngoyo pour na ba peau sèche nyo surtout, solution ezali. Tozali na lotion tonique pour na ba ta tampon, tozali na lotion tonique pour na ba o bazan na tampon té mais peau ezali abîmé, tozali na gommage fait à base de café, ezo rendre longue propre, ezo longola ba bouton, nyo surtout ezo kené na ba graisse. Oui. Tozali na pommade à souki pe huile ya souki, ezali très efficace. On a problème li bandi, souki kola ka ou bien té, ba produit ngoyo est très naturel, ezo très très naturel car on n'est pas mal au bout. Pommade anti solo ma pita. Yes. Les coyotes ali na problème solo au dégage à cause transpirer à mingi. Solution en quoi est pommade anti solo ma pita. Bobo sanate, toza na promotion réduction à 30% na ba produit na biso nyonso tout. Côté wana to buki na biso. Côté toza ba kiss na biso pe ya poussière, oui. Ya bokoko. Ndeko siko zali za musika ba produit ma ezo ya te, ba kiss ya poussière ya ngoyo okomela na ka ya maladi nyonso tout o mama mikatanga ki awa okozwa solution na yo. Benga biso na plus 243 89 98 27 674. Adresse Nabiso Tozana, commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pose numéro A17. Pona stérilité, bande konanga basi ozo koka ko concevoir te. Solution yango yo eye. Papa ozo koka ko pesa zemite. Bakisi yango eye eza très efficace. Boya ebele, boya ebele bokoza la décité. To buki ba prix, ngai 7e naza awa. Ngai 7e baga naza awa. Bye. Junior elle ingra flore, bidi bidi a joie. Oh. Moi je suis pas n'importe quel monsieur. Maman linga, ba joie. Maman comment appelle ça? Maman linga, ba joie. Ba paralouille, ba joie. Ba vue de loin, ba joie. Mais est-ce que comment aujourd'hui les lumbères vont minimiser? Non, je parce que pas. Tu es sans groupe. Non, 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 non. Tu n'as pas aussi impacté. Ensuite, non, 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 attendez, attendez. C'est pas ça. Moi, à un certain moment, j'ai quitté Prince Thierry. Parce que déjà au départ, je suis journaliste politique. Dans rédacteur en chef, directeur de programme, directeur d'information. Le fils qui a forcé, on a permis de soulever sa tête. Dans, déjà, dans une chaîne de la place. Je suis de la place. Je suis en antenne A, de loin, antenne A, là, qui est la radio télépuissance. Au nom, j'ai volé pendant plus de 20 ans. Et pas Guizamina. Pas Guizamina. Je faisais l'émission Babarisse politique. En 2004, j'étais sorti meilleur journaliste dans Mbokaoui. Sauf qu'il n'y a aucune CI, dans la site CI, Betty, Magzé Makassa, Omo Nangaï, formé par Canal France International, TV5, Radio France International. Aucun autre domaine, Omo Nanga. Donc, un journaliste chevronné. D'abord, chevronné. Il y a un niveau, il y a un sakadate. Il y a un biago. Il y a un. Alors, tu combinais avec l'art et la presse. Oui. À l'époque, je faisais une émission qu'on appelle Tribune des livres. C'est-à-dire une émission d'analyse des critiques des œuvres littéraires. Très bien. Oh, pour cette émission, il faut que Mayele. Mayele est ouvert. Mon directeur de programme était Papa Godé. Mon gars là. Allez, là, ça m'a l'air. Tu connais ça. Donc, mon dieu de Paris, je me suis dit que je n'ai pas eu de l'arté. Il n'y a pas de l'arté. Il n'y a pas de l'arté. Il n'y a pas de l'arté dans le journalisme. Parce que déjà, à l'époque, déjà, j'étais attaché de presse. Il y a un mot qui est là, Badibang. Il est défunt. Christian Badibang. Voilà. L'homme de Chop Chop. Voilà. Je mangeais, j'ai buffé, je trouvais un mbès, mais ça m'a toujours l'air. Fang Dion, j'étais conseiller à la communication. Cheribo Ken à l'époque, je faisais une émission par base politique, forum diplomatique. Là, Cheribo Ken, Fang Dion, mon maître Koko Ayudi, tout ça, il venait dans mon émission. Il m'a dit, on a la bande de ça. Ah, ok. Le président de l'Assemblée provinciale, ancien président de l'Assemblée, Vouemba. Jean-Claude. Jean-Claude Vouemba. Tant que tu portes ton émission, ça n'est pas dans. Nous avons ça, ma confusion, mon boyo. Mais il faut le côté politique.
Au tigano théâtre. Voilà. Au salis qu'on chute libre. Non, voilà. Tu n'as plus de place. Non, déjà au départ. Je travaille avec ces gens-là. Maintenant, moi, je te parle là. Je suis secrétaire national en charge de communication et pas à Dabombolé. Dans l'ensemble, changé le Congo. Oui. Ça fait plus de 8 ans que je suis là-bas. Donc, monnaie de Paris, ce n'est pas un petit monsieur. Hein, je me respecte. Tu n'es pas un garçon, comme dit l'homme. Non, il prétend. Et si il est fort, alors ce qu'il veut, vrai débat. Le vrai débat, c'est ça, à niveau. Si il pense à ce qu'il est fort, il est puissant, il y a un débat contradictoire. Lui, d'abord, aussi, le plan politique. C'est un vagabond politique. Et l'homme ? Un vagabond politique. Et l'homme est vagabond pas, politique, je dis bien. S'il est un homme politique, connaît ce que je voulais dire. Il a été essayé de le père parler vagabondage politique. Il était, en 2006, je l'ai soutenu, il était chez Kachala. 2011, il était chez Palou. 2018, il était chez Matumuna. Laurent. Laurent Matumuna, du mois. Donc, je le connais. Et l'homme Soukane. Et l'homme, je le connais. C'est un vagabond politique. Et puis, il me dit, dans ses propos là, non, j'étais dans la bande de Nukuna comme conseiller à titre de ministre. Oui, comme conseiller, qu'est-ce que vous avez réformé pour rapporter? Pendant qu'il était conseiller là-bas, qu'est-ce que vous avez fait là-bas dans la bande? Comme ils disent des choses comme ça. Alors, vous reprochez Lombé quoi? Lombé, le problème, c'est quoi avec Lombé? Non, il a dit, je dis non, quel problème avec M. Lombé? Je le respecte, je le considère. De la même manière que dans le qui a appelé ça un peu de respect à sa ma consultation. Je n'ai rien contre lui. Et puis, dans la finalité, j'ai fait des avec lui. Je n'ai jamais tenu des propos maladroits contre Lombé. C'est moi, j'ai reproché ma groupe, M. Soso, au lieu de mon bon abattement. Ah, système, moi, non. Non, je n'ai pas dit que lui. Bah, ce sont ont été créés pour bouffer l'argent de Batamatanga. Bon, il y a Maman Zite Kenawap, Maman Chako, Bon à Suzy, Bon à Mélodie Kenawap. Bon, on peut dire récemment, Bon, il y a Djani Kenawap. Maître Tazis, c'est joie, Tazis, il a donné l'argent. Bon, on est Maître Kazi. Maître Kazi, voilà, Maître Kazi. Il a donné l'argent. Bon, on est Kenawap, Bon, Djani Kenawap. Masumo, qui est là, autant d'années, chef coutumier, c'est un à vie. Je comprends la question. Parce que Momo, Nazizi, qui est dans l'organisation de Mangola, pose la question à Momo, absolument à Momo, pose la question à Nazizi. Comment est-ce qu'il y a une activité? Ils sont étouffés. Parce que nous vivons, tu comprends ma mesure de gravité. Alors, vous voulez qu'il y ait réforme, Massoum doit partir, non, Bodo, il faut mapper sa chance dans la jeunesse. D'abord, vous voyez le secrétaire général Oxygène, M. Oxygène, l'avocat, tout ça, il est aussi étouffé. Moi, il m'a même exalté. Maintenant, il y a Djani. Comment se fait-il un conseil juridique? Pendant que le premier vice-président était en Alpha, le premier conseiller, est-ce qu'il peut prendre la parole devant un président? Mais Lombé est influent. Est-ce que tu reprends ça? C'est un débat de droit, tout va droit. Ngalfa Zawana, premier vice-président, Yann Diminaï. Vous allez remarquer une chose. Dans toutes les réunions, Ngalfa Zawana, Bodo Zawana. Ah, Zawana. Rare. Au moins, à Bango, Zawana, Soso, Masumu et Lombé, Oxygène. Pourquoi les autres Modéro, comment on appelle ça Modéro. Azad, directeur financier. Mais il est toujours absent. Dans toute la question, monsieur, tu es directeur financier. Ça veut dire quoi? Avant de sortir en Bango, avant de Trambo, il faut y Bango. Maintenant, aujourd'hui, c'est Yagabi qui est caissière. Tant que je suis à est-ce que vous savez comment c'est Kotawana? Matin à Suzy, jour après, on avait donné 20 000 $. Bon, on est Kinawapi. Balia. Non, on a bien Balia. Tout le monde pose la question. Bon, on est Kinawapi. C'est Balia. Est-ce que, ça veut dire l'engagement que vous, est-ce que Babilo Rwanda, vous dénoncez à monter trop le bâtiment? Ah, donc, Bartiste n'y a pas bleu. Non, d'après ma information, Nanga. Balobi qui est, Botika Bango, Bajene Wana. Bon, et tout, c'est que Bango. Au moins, dans l'alpha, dans ma sombre, on a raté. Balo Somo aussi était dans cette soirée-là. Balo Somo, dans ma sombre, on a raté. Trop de conflits. Hein. Trop de conflits. Maintenant, aujourd'hui, au moins, maintenant, on m'attend à Diane, tu as vu ça, les propos, il y a même la caméra, ça, c'est. Il donnait l'impression qu'il était écarté dans nos vingadus. Qui est d'abord, peut-être, après ça, combien de groupes, naïe, à ce moment-là, tout ça. Bon, moi, je prétends que non. Bango. Ton fils, quand il a dit, tu peux te voir, parce que moi, Batomoki. Batelemeli. Kabamba, c'est ce qu'il dit, il a dit non, est-ce qu'il y a ça à combien? Lui, quand il a abandonné son groupe, quand il avait un groupe Kabamba, là où j'avais envoyé Loulé, et pas Naye, n'a pas marché dans Barombo, dans Sirombo. Quand il était à Côte d'Ivoire, nous, tu as combien? Massassi. Massassi.
Il avait un groupe à qui nous tendait la Côte d'Ivoire. Barumbu. Un groupe comme Kabamba. Nous avons loué Léandre Oyo, Léandre Oyo. À moi, t'étais pas langage. Nous avons joué, n'a tiné Kuna. N'a petit sang, on fait pas de fête, petit sang. N'a tiné pas Kabamba, ça c'est. Avantage, j'ai les années. Je connais du soir à théâtre. Alors, vous maîtrisez ça. N'a pas du soir à théâtre. Alors, merci beaucoup. Actuellement, Pé Belvina Sile, la Mazana Mango Kita. M'appeler, on a pindiré ici. Non, 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 attendez, attendez, attendez. Je vais répondre à cette question. Je me disais un jour, le conflit. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait le conflit entre Xilna et Domazé. N'est-ce pas? Il y avait des conflits comme ça. Maintenant, comme il y a Sila, une belle vie. Sila, une belle vie. Maintenant, vous allez voir, n'est-ce pas, que. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que. Ma tito, le côté, mon côté. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent. Il y a un conflit entre belle vie et Sila. Si, si. Il y a un exil, non. Mais j'ai craint fort. Craint dans les années. Les saisons sont toujours périodiques. Les saisons, ils ont toujours la saison, ils ont toujours un temps. Aujourd'hui, si la belle vie, la concurrente. La concurrente. Basanté. Dis-moi aujourd'hui, c'est pour la première fois dans l'histoire, peut-être que je me suis dit que pendant autant d'années, je me suis dit que de 10 ans, 15 ans, je me suis dit que je suis dit. Dis-nana qui pouvait prendre le courage à percer Bango, à conquitter. Dis-nana. Azobanga. 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 Il y a Gabi qui j'ai reçu beaucoup, bah Bakata, bah Poso, bah tout ça, bah au côté de la confiance, bah au côté bah les méchants, c'est belle vie aujourd'hui. Si là, pour battre, bah il y a vraiment un niveau ana, bah comment bah le Mongolabango c'est pas facile. Et vous avez parce qu'il a des gens, attendez, il a des gens au bas au lien de Mitu ya si là, de Mitu ya belle vie. Alors actuellement Poto et Fongwami, Tomoni belle vie Poto, si là Poto. Via, il paraît Poto, Maman Top, il paraît que Côte d'Ivoire jouer. Et il y a des mouvements. Jérémy Chaban, il y a un groupe à Dubaï. Anse Luzo le recrute les anciens. Ah ouais. Gawa, Zokende, Koko Bilali, et consort. Batouba, Zokende, Poto. Zomon, avant, on est. Non, moi, je suis en train d'encourager ça. C'est encourageant. Il faut encourager. Non, non, il faut encourager ça. Parce que de l'eau, les comédiens étaient considérés comme Batoumou, Batanzala, Batanzala, Batapassé. C'est maman Olive qui est venu aussi donner un coup de pouce à ma comédienne. Un coup de pouce, oui. Alors, on a décomplexé ma comédienne que, bon, c'est la Batoumou côté qui est caraqué, Bapé sa communauté. Il fallait d'abord se révolutionner, il fallait d'abord se battre. Si par exemple nos frères, nos jeunes frères, bon, ils ne potent pour un beat. N'est-ce pas? Soit pas que les gars te jouent et s'ilité. Ils peuvent prendre un coup de contact, par contre, ma fédération, ma union, ma association, ils ont beaucoup mieux. Moi, j'encourage nos frères qui vont en Europe là-bas. N'est-ce pas? Oh, bah, j'ai eu l'occasion de vendre la poteau. Bah, si je passe à ça, là. Et ça, ma bête, c'est une bonne idée qui va donner la poteau. Moi, j'encourage. Moi, j'ai fait l'Europe en 84, dans le cours de ma famille. Et puis, parce que mon père travaillait dans Exaïe à l'époque, en 84. Donc, on a eu, à l'époque, on a voulu partir en Europe. Ngaï, Tono, Poso et Tabingalfa, le collé. La première information, ma vie à Boyaki. Contre Yaka. Yaka. On va aller jouer en Angola. Ok, dans le groupe. Dans le groupe, la poteau, oui. Et j'aurais appris de ça, ma vie à Boyaka. Bon, en Angola, la poteau. On allait partir en Europe, j'ai dit. Tout le monde est en Angola, Angola, plutôt que poteau. Ma vie à lui, non. Ce qui est mon nom, dans tout le monde, c'est Okima. Ah, en 84. Dans 84. Moi, je suis parti en 84, dans le compte de la famille. Tant que tu es dans la prince de Rive, ma Paris est refoulée. Ma vie, tu es joué la poteau. Ma vie à Boyaki, paraît-il. Nous, tu es comme moi. Qui est noir, petit soir, qui est la poteau, tout ça, bah, qui m'a bango. Tu as raté, bah, occasion, bien, oui. Tu as raté, c'est au prince de Ria, dans le fond, bah, le coup, bah, c'est la car. Même à ta, Congo, prince, tu renate. Eh. Même à ta, Ponto, tu renate. Même le machu, tu renate. Aucune province, tu n'as aucune province. Limité la kin. Alors, quand j'attends, et l'homme dit, ne sais que, le coup, dans le fond, et puis, c'est non, il y a Yosa, maître de maître. Hein, tu, il y a un héritage, mais ils sont à la base de tout ça. Parce qu'on peut mettre tout cela pour du terre, tout la télévision, tout le monde, 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 tout le à quel moment impact n'a rien à quel moment blanc rien zoto parce qu'on travaillait sous l'option sous l'aura il y a balobo 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 oui balobo balobo indien donc les princes moi je dis qu'ils étaient bien balobo pentacle non c'est je parle seulement des balobo
parce que l'alpha avec ma crise n'est pas cassé, on est balou, mais qui en a, à ce qu'on a été qu'on popisait, prince hérité. Alors que lui pouvait bien attirer la coupe de groupe prince, battre, bah il va dans ma poste, bah il tape, bah poste, bah en base, bah mais colo. C'est le lourd mot, force mon co, parce qu'il est bosso. D'ailleurs, tu n'as pas l'idée de Bassim, mais nous qui si pour moi. D'abord, qui si, je ne parle pas de qui si. Et Bassim, mais l'or beaucoup. Non, ça dit quoi? Quand on est président, il faut avoir un aura. Il faut avoir un aura morbo. Il faut avoir la puissance morbo. Il faut avoir un esprit. Même la théâtre. Si. Pose la question, quand on a Massassi, quand on a Minzoto, quand on a Vingados, même le groupe Nzoi, il est tenu par des forces. Ça doit avoir un sango. On y est bien obligé. Pour l'instant, bah toi aussi, bah toi tu es bah ça, on dit la force, on a besoin d'aura, on a. Alors, merci beaucoup. On va vous libérer. Nous sommes suivis de partout. Merci à Mimi Ndoumé depuis Mouching là-bas, en Allemagne. Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia. Les célèbres Dienzundu na Washington. Yalu Zombala de Madrid. Et merci à mon président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association Main dans la Main, depuis la ville Fontaine, mais aussi partout à travers la France. On est de cœur avec vous. Levé Justin Panzou, les grands Mouyombe à Londres. Y'a Justin Panzou, les grands Mouyombe. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous êtes d'accord, on a jeune, on va se propulser, on va voyager, comme ça, et décomplexer, on comédien. Voilà, donc je crois que. Et pour aussi un journaliste ou bien comment? Non, mais écoutez, c'est ça va bêter. Sur exemple, les gens pensent à ce que notre monde père a fallu pour pas. Fallu pour pas, Zuba Bendo, Zuba Ancien, il a vécu à la musique. Si par exemple, certaines personnes, j'ai vu s'il avait cet esprit-là, alors moi, Zuba Ancien, moi, je n'ai pas besoin de succès. J'ai fait mon temps, ma saison, c'est fini, c'est fini. Mais Zuba Elomi, tout le monde a succès. Tout le monde a succès. Donc, si par exemple quelqu'un pense à ce que, à cause de la parce que là, c'est l'invitation à Maman Zona End, Maman Poète, tout ça, pour que moi, je suis en End pendant deux semaines, puis Zonga, et puis après ça, Yoshua, Maman Kati, tout va décider que non, bon de parier, il faut tout que Nayo, parce qu'il faut savoir que si là, on peut préparer Zénith. Si la Bissal on peut préparer Zénith, donc nous devons l'accompagner dans la Zénith, et c'est la grave. N'est-ce pas, la production va conclure sur un poteau. Non, ça sera Sila et son groupe. Non, Sila n'a jamais eu un groupe. Ah, ok. Sila, c'était SB, c'était une maison de production. De production. À cause de Sila, il y a eu un bordeaux de Paris, Poso, Nain, tout ça. Elle va sélectionner. Elle va sélectionner. Alors, tout ça, on a un spectacle qui va mener dans la Zénith. Mais d'être dans la fixité, je vais vous dire au moment opportun. Donc, Sila, bon, là, il y a un comédien. Bon, là, il y a un monsieur qui a un comédien. C'est une comédienne. À ma groupe maman, va y jouer. Ça sera une première. Hein? Première fois aussi là, comme on a ça là, dans le salon malenté. Donc cette femme là, elle a don, elle a ma perception, elle a un jalousie ma perception. Donc toute malédiction contre elle, elle a sans effet parce que ma belle au vendre, elle va m'attaquer. Si elle a m'attaquer, ce que lui ma belle va couvrir va ôter les mains. Oh, si elle a m'attaquer. Elle a m'attaquer, mon ma belle là. M'attaquer où mon beau? Attends, nous avons Jérémy, son beau ma belle si là, si elle m'attaque, va couvrir va ôter les mains. Tu es sur la malédiction parce que elle a ouin, elle a force nous a matiné bison. Ah ok, ça c'est bien. Si la Bissal ou Bekam... La Zénith de Paris, hein? Ouais. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt, la date vous sera communiquée. La date nous seront communiquées. Bon, Maman Zouzouna End, Posa Yoshua, ou Maman Katibo Esquidran, par exemple, Nathalie Kanjinga, n'est-ce pas? Blandine Moujambo Esquidran, peut-être Nathalie a dévoilé ses coins, mais je vous dis que si la doit jouer dans la Zénith de Paris. Ah! Ça sera une très bonne chose. Entre-temps, les amoureux du théâtre, les fans du théâtre, j'ai un message. Merci beaucoup, Mbondo de Paris, l'opposant, les révolutionnaires. J'ai bien les révolutionnaires, c'est mieux. Les révolutionnaires, mais tu es toujours incompris, hein? On sera toujours incompris. Alors, je t'ai un message, Moko, dans le bureau ANPC. Tu peux leur dire quoi? Non. ANPC, Masumu Bodo, Elombe. Je vais dire ceci. Je voulais seulement demander la démission tout simplement de ce comité-là. Dans ce comité, il y a Massoum et démissionné. Il y a place dans ma jeune, il y a une nouvelle vitalité, une nouvelle intelligence, une nouvelle énergie. Par exemple, pourquoi pas passer les partenariats avec les organismes internationaux qui s'occupent du cinéma. Pourquoi pas dans le niveau nigérien, pourquoi pas dans le niveau ivoirien. Donc, il y a la piste. Ils ne sont pas seulement. Cette histoire n'a pas été seulement créée pour nous attendre à ce que nous avons fait. Non. C'était un syndicat fort pour ça, pour nous défendre l'intérêt. Il y a un comédien.
C'est-à-dire que moi, ma formation, ma communauté fait ça, ma séminaire, il y a un renforcement de capacité fait ça là. On a des idées. On a des idées. Mais, tellement que nous avons compris, nous avons sauté. Donc, j'aimerais aussi dire à mon frère Jeanne Elombe, ok, que je n'ai jamais eu de problème personnel avec vous. Maître Elombe. Donc, je n'ai jamais eu. Honorable. Est-ce qu'il a déjà gagné combien de procès? Je ne sais même pas, il faut me poser la question. Alors, je voulais seulement dire à M. Elombe, je n'ai jamais eu de problème avec vous personnellement, mais seulement, je n'ai jamais été d'accord la manière dont vous avez géré le conflit entre Sylla. Sylla, c'est votre fille, hein, il faut l'aimer sincèrement, véritablement, en dépit de ses défauts, ses faiblesses. Vous êtes un grand monsieur, je vous respecte, je vous considère. De la même manière, je vous demande de me respecter aussi. Si vous me respectez, j'aurai autant vous respecter. Donc, parce que le respect est réciproque. Lorsque vous m'appelez garçon, je ne suis pas garçon, donc me respecte, respecte-moi, et je vous respecte, et je vous aime bien, et bonne chance à vous. Je connais à vous les capacités d'être un grand formateur, un grand metteur en scène. Mon numéro de téléphone est en ligne, 0243 98 16 88 764, 098 16 88 764, et Dieu vous bénisse. Merci.